Ce livre qui fit le tour du monde fut imprimé pour la première fois au prix de multiples dangers, au nez et à la barbe de l'occupant dans une minuscule imprimerie d'avis de décès. Les résistants le diffusèrent au péril de leur vie. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce livre n'était ni une œuvre de combat, ni une œuvre de haine. C'est là, dans la solitude de cette maison, que se déroula cette bouleversante histoire, et c'est sur ces lieux mêmes que vient d'être réalisé le film qui fait revivre les personnages désormais célèbres de cette œuvre noble et généreuse. Ce film, qui fut réalisé dans des conditions tout à fait exceptionnelles, car pour la première fois dans l'histoire du cinéma, sa présentation au public fut subordonnée à l'acceptation d'un jury de 22 personnalités désignées par l'auteur du livre, ce film qui n'est ni un film de guerre, ni un film de résistance, et qui par l'originalité de sa conception ne peut être comparé à aucun autre, ce film dont, contrairement à l'usage, nous ne vous présenterons aujourd'hui aucun fragment, car aucune image séparée ne saurait traduire toute l'émotion qui s'en dégage, c'est... Sneak.